Salut amis invocateurs, invocatrices, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui sur Summoners War et plus particulièrement, on va vous donner toutes les techniques pour obtenir les vélins mystiques. Les vélins mystiques, vous le savez, c'est le nerf de la guerre dans le jeu Summoners War, surtout au début, car c'est une façon d'obtenir des 5 étoiles natives, des 4 étoiles natives et des 3 étoiles natives qui sont toujours utiles pour réaliser du food. Je vais vous donner tout de suite toutes mes techniques de farm pour pouvoir avoir un maximum de vélins mystiques. La première technique pour moi pour obtenir des vélins mystiques, c'est ce qu'on appelle la récompense quotidienne de connexion. Vous avez la possibilité d'obtenir 24 fois par mois une récompense quotidienne, et lors de ces récompenses, vous pouvez entre autres avoir de la mana, de l'énergie, mais aussi des vélins mystiques. Donc ne négligez pas ça et connectez-vous minimum 24 fois par mois. La deuxième façon, souvent qui est aussi quotidienne, c'est le temple des vœux. Lors du temple des vœux, vous avez une chance par jour d'obtenir un vélin mystique. Sachez cependant, lors des vœux, vous avez 3, 5 ou 10 vœux possibles par jour, donc d'autant plus de chances d'obtenir nos fameux vélins mystiques. On va regarder un petit peu un de mes endroits préférés pour obtenir les vélins mystiques, c'est lors du farming de runes ou d'essence dans le donjon de Kairos. Sachez cependant que vous ne pouvez pas l'obtenir dans tous les modes de jeu du donjon de Kairos. Lors du Castel de Géant, du Tanière de Lin ou de Nécropolis, vous avez 2% de chance d'obtenir un vélin mystique, et ce, peu importe les étages, c'est toujours bon à prendre. Cependant, lors des donjons secrets ou des Hall of Heroes, vous n'avez aucune possibilité d'en obtenir. Mais, lors des Halls de Magie, des Halls des Attributs, vous avez aussi 2% de chance d'obtenir un vélin mystique, et ce, peu importe l'étage. C'est toujours bon à prendre un petit vélin mystique de temps en temps lors d'un farm d'essence ou de rune. Ok, donc là on a déjà vu pas mal de petites choses, on va les regarder maintenant. Une technique que vous connaissez forcément, c'est le Premium Pack. Le Premium Pack, c'est pour 750 cristaux la possibilité d'obtenir 11 vélins mystiques, un Angemon de chaque attribut et 100k mana pour 750 cristaux. Il existe aussi le petit pack invocateur qui est un peu moins intéressant, à mon sens. Avant, on avait une technique qui était très très forte comparée justement au pack premium. C'était le farm des shops de magie, je vais vous montrer tout de suite. Dans une échoppe, on a la possibilité, si vous avez débloqué quelques petits étages, d'obtenir un vélin mystique pour 120-130k mana. La technique habituelle qu'on faisait, c'est qu'on rafraîchissait pour 3 de cristaux la page, et du coup, ça nous donnait la possibilité d'avoir un maximum de vélins mystiques. Je pense cependant que cette technique n'est plus active depuis la grosse mise à jour de décembre, depuis qu'ils ont rajouté les vélins légendaires et les vélins Dark and Light en morceaux dans les shops de magie. J'ai vraiment l'impression qu'on obtient nettement moins de vélins mystiques dans les shops. Cependant, quand vous avez l'occasion qui se présente, vous voyez un vélin mystique sauter sur l'occasion, c'est toujours bon à prendre. C'est peut-être votre premier Nat 5 ou OnePlus. Voilà, l'échoppe de magie est présentée. On va aller regarder une autre échoppe qui, pour moi, est intéressante. C'est l'échoppe de guilde. Une fois le level 25, je vous conseille d'essayer justement d'intégrer une guilde, car vous allez avoir beaucoup de récompenses grâce au point GVG. Entre autres, une des récompenses possibles à obtenir pour 200 points, c'est le fameux vélin mystique. C'est toujours bon à prendre. Forcément, moi, je m'oriente pas là-dessus toujours, même très rarement. Mais bon, aujourd'hui, on parle des vélins mystiques. Je vous donne toutes mes techniques pour en obtenir un maximum. On vient de parler de l'échoppe de magie. On vient de parler du guild shop. Sachez que vous avez la possibilité d'en avoir aussi ailleurs. Dans un autre shop qui est très connu, c'est le shop de gloire. Pour 240 points de gloire, vous avez la possibilité d'avoir ici le vélin mystique. Sachez que lors d'une victoire, vous avez 3, 4 ou 5 points de gloire. Donc, c'est important de les farmer pour pouvoir acheter des objets ou améliorer vos bâtiments. Sachez que même lors d'une défaite, vous gagnez quand même un point d'arène. Donc, ne négligez pas, ne partez pas à chaque fois, vous vous déconnectez du jeu alors que vous avez encore vos 10 ailes d'arène. Je vous invite tous les jours à les utiliser au maximum. C'est toujours bon à prendre, au lieu de les laisser de côté, vous pouvez toujours acheter un petit vélin mystique, peut-être encore un bon monstre, un 4 étoiles natif, un bon support, un bon attaqueur, c'est toujours bon à prendre. Je pense qu'au niveau des shops, on a fait un peu le tour, sachez que régulièrement, Come to Us nous gâte grâce à des events. On a des très très bons events au moins une fois par mois. Actuellement, c'est l'event du shop de points pour le printemps. Et sachez que dans ce type d'event, vous avez forcément la possibilité d'obtenir nos vélins mystiques.
Ici, nous avions la possibilité d'obtenir deux fois un vélin mystique grâce à cet event. Ne négligez pas les events, c'est toujours une bonne façon d'obtenir des cristaux, des vélins mystiques, des boosts d'XP, pourquoi pas, ou de l'énergie. Donc, pour les vélins mystiques, farmez les events un maximum. Ok, donc on a fait déjà pas mal de tours. Il y a une autre façon, alors je ne sais pas si j'ai encore la possibilité, c'est lors de missions. En général, lorsque vous farmez des missions, vous avez la possibilité d'obtenir des vélins mystiques, que ce soit lors des missions ou lors de récompenses, lors de trophées. Par exemple, ici, si je termine le 7e étage de Nécropolis, j'ai la possibilité d'obtenir un vélin mystique en plus. Et ce n'est pas le seul event de ce style-là. Par exemple, si je termine le raid des rifts de niveau 3, j'obtiens encore un vélin mystique. Donc, si vous êtes à la recherche des vélins mystiques, ne négligez pas les missions et les trophées. C'est toujours bon à prendre. Une autre façon très connue d'obtenir des vélins mystiques, c'est le... Ah non, pas le donjon de Kairos, le Tribunal of Ascension. Sachez que le Tribunal d'Ascension est en deux modes, en mode normal et en mode enfer. Dans chaque mode, vous avez la possibilité d'obtenir deux fois des vélins mystiques. On va regarder ça tout de suite. La première façon, c'est de farmer l'étage numéro 30. Sachez que le Tribunal d'Ascension se reset régulièrement, donc à chaque fois, vous avez la possibilité de réobtenir un vélin mystique. Le vélin mystique, le premier, c'est l'étage 30. Je pense qu'à partir du niveau 25, à partir du niveau 30, vous avez la possibilité d'aller le farmer. L'étage 50 est un peu plus compliqué, mais dès que vous avez la possibilité, ne crachez pas sur ces deux fameux vélins mystiques. Sachez que lors de la difficulté hard, vous avez exactement les mêmes récompenses à l'étage 30 et à l'étage 50. L'étage 30 est un peu plus compliqué forcément qu'en normal, mais un niveau 30-35 a quand même la possibilité avec une bonne équipe d'aller chercher. Vous voulez des vélins mystiques? Voilà déjà des techniques. Il en reste encore un petit peu. Une technique qui est apparue il n'y a pas si longtemps, c'est le fameux World Boss. Sachez que peu importe le niveau de dégâts que vous faites dans le World Boss, vous aurez quand même une possibilité d'obtenir un fameux vélin mystique. Regardez, vous faites moins de 500k dégâts avec votre équipe, vous avez quand même une chance sur 5 dans les récompenses suivantes d'obtenir un vélin mystique. C'est toujours bon à prendre. N'oubliez pas, faites-le au minimum une fois par jour, sachant que vous allez encore avoir une récompense de cristaux quand le boss des mondes va mourir. Une autre technique qui est intéressante pour les joueurs qui font un peu de raid, justement, c'est le Rift des mondes. Sachez que dans les récompenses des Rift des mondes, vous avez la possibilité d'obtenir un vélin mystique. Vous voyez, on le voit ici, déjà dès le niveau 1, vous avez la possibilité. Donc je vous invite à le faire. Quand vous avez des amis avec vous, c'est un petit côté fun. Faites-le, vous avez la possibilité, une fois de plus, d'obtenir un vélin mystique. Bon, les invocateurs, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les techniques que je connais free-to-play, forcément, d'obtenir des vélins mystiques. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à aimer la vidéo ou à la partager. Et puis je vous invite à vous abonner, moi ça me fera toujours plaisir. Et puis si vous avez des commentaires à me dire « Ah bah regarde, il y a un nouveau mode de jeu et tel truc, où moi j'ai réussi à avoir des vélins mystiques là-bas », n'hésitez pas à me le partager, et puis je ferai très certainement une mise à jour dans mes vidéos. Allez, ciao ciao, à une prochaine les gars!